Togo Info, le Togo à votre portée. Il y a des problèmes d'achat, de vote, y compris à Niekonakwe. Alors, bon, ce sont des informations qu'on a. Ça ne serait pas responsable d'en faire état sans les vérifier. Donc, ce que nous allons faire, maintenant que j'ai fini de voter, nous allons nous mettre en place pour vérifier toutes ces informations et prendre les mesures adéquates. Toujours se mobiliser pour aller voter. Toujours, il faut aller voter. Parce que je pense qu'une mobilisation massive peut venir à bout de velléités de fraude. Ouais. Si les électeurs se mobilisent massivement, les fraudes ne seront pas aussi importantes qu'elles puissent remettre en cause le processus. Parce qu'au Togo, l'ordinaire est la fraude. Donc vous êtes toujours serein. Eh bien, quand on a passé tout le temps à se préparer, à travailler, on est serein. On a la satisfaction au moins d'avoir fait le nécessaire. Et maintenant, aux électeurs de jouer. Monsieur le Président, au niveau de la diaspora, comment ça se passe? Mais est-ce que vous pensez qu'il est normal de parler de la diaspora? Je ne sais pas pourquoi vous en parlez, vous. Vous savez qu'il y a, selon les données des Nations Unies, il y a plus de 1 500 000 Togolais à l'extérieur. Et là-dedans, vous croyez qu'il est normal que 348 personnes votent au titre de la diaspora? Non. Moi, j'avais déjà dit qu'il fallait faire très attention à cette histoire de vote de la diaspora. Et chaque fois qu'il m'était donné, quand j'étais à Paris ou ailleurs, de m'exprimer sur le vote de la diaspora, je disais, faisons très attention, tant que le gouvernement RPT unir est en place, il faut faire très attention avec le vote de la diaspora. Et voilà ce qu'on nous sort du chapeau, 348 électeurs. Bon, ça, je ne vois pas pourquoi vous en parlez. Donc, c'est des voix négligées? Non, pas du tout. Mais je trouve que on devait avoir 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois, 1000 fois plus, 1000 fois plus. 10 000 fois, enfin 10 000 fois c'est trop, mais au moins 1000 fois plus. Ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si, vous savez qu'habituellement, par rapport à la population, le ratio électeur sur population est en moyenne de 50%. Donc si vous avez 1 500 000 Togolais à l'extérieur, forcément vous avez au moins 750 à 800 000 électeurs. Si vous avez 348 électeurs, vous savez, il n'y a qu'au Togo que ces choses-là ne sont prises comme ça, sont acceptées. Président, maintenant il y a un second tour.